Allez, vas-y. On va vite fait sur le 1. Mais le 1, je vous préviens, je vais pas avoir la patience que j'ai sur le 2. Et je vais peut-être avoir besoin de votre aide. Voilà, au dernier live sur le 1, j'ai pété les plombs, j'ai demandé de l'aide au chat parce que vraiment, c'est incompréhensible. C'est vraiment illogique. J'ai tourné pendant 2h30 sans rien trouver. Ça m'a énervé. On essaie de terminer ce fichu jeu. Je vais éteindre la clé. Et du coup, bon, ce qu'on va faire, chat, ce qu'on va faire, pour pas qu'il y ait du spoil ou du backseat à tout va et que les modos pètent leur crâne. Non, on t'aide pas, je coupe la parole au viewer. Pour pas que ce soit l'anarchie. Aidez-moi seulement quand je vous le demande. Ok, là, me soufflez pas les réponses, je vais essayer de chercher un petit peu. Et aidez-moi seulement quand je vous le demande. J'aurai moins de patience que pour le 2. Là, franchement, je vais vous demander votre aide parce que ben j'ai déjà passé pas mal de temps dessus. Et vraiment... Enfin, pour vous dire, hein, j'ai été bloqué, pour ceux qui connaissent pas le jeu, j'ai été bloqué 2h30 à un endroit. 2h30, j'ai tourné en rond, j'ai tout fouillé. Bah, vous avez vu, de toute façon, sur le 2, enfin, je suis assez curieux, je regarde tout. J'ai genre 5-6 trucs où je suis bloqué et que je ne comprends pas. Il y a l'histoire des pommes qui sont lancées là, sur des leviers. J'ai essayé plein de trucs de bloquer pour pas activer les leviers. Je sais pas à quoi ça sert. Il y a l'histoire avec les tomates. Je sais pas à quoi ils servent, ça me bloque sur ça me bloque pour faire pas mal de choses. Il y a l'histoire avec le tuyau, il y a une clé rouge. Il y a un bassin avec de l'eau, je sais pas à quoi ça sert de la vider. J'ai pareil un pied de biche, il y a pas mal de trucs où je suis bloqué, je comprends pas. Il y a un endroit aussi où j'ai réussi à lire le code, t'as des boutons rouges. Je pense que ça appelle du coup la plateforme pour aller à l'autre bout, mais je sais pas comment tu l'appelles, enfin... Bon bref, on est parti. Vous verrez bien de toute façon. Ah oui, là j'avais réussi à un petit peu avancer. J'ai vu la clé verte, je crois. J'ai vu la clé verte au dernier live. Et je suis dans un endroit avec les sortes de robots, là. Ah bon, ça m'avait fait péter mon crâne et ça m'avait fait freeze carrément. Bon, déjà, je viens de comprendre ça. La dernière fois, j'avais pas compris. Ah, sa mère. Oh, sa mère. Oh, il m'a eu ? J'ai l'impression. Non, faut pas qu'il me touche. Là, je vais pouvoir observer. J'ai l'impression qu'en fait, dès que ça sonne, ils vont travailler, genre. Ils sont à table et ça chuchote, genre. Là, c'est la récré. Et là, ça va sonner, ils vont travailler. Oh putain, il y a le surveillant. Ah merde, il est... Oh, j'ai encore freeze. Oh là là. Oh non, 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 c'est vrai que ça fait vraiment freeze mon PC, faut que je redémarre carrément. Ah mais non, ça m'a fait ça la dernière fois aussi.
Ouais, mais je vais pas faire ça à l'infini. C'est pas bon pour le PC de crash comme ça, ça fait deux fois. Ah, la technique. Oui, la technique de crevard. Ah, tu cancelles le redémarrage, comme ça, hop, ça te ferme juste tes programmes et t'as encore le PC d'allumé. Et oui, mesdames et messieurs. Let's go. Faudrait faire gestionnaire des tâches. Non, j'avais testé le gestionnaire des tâches la semaine dernière, Vayne, quand j'ai eu le crash. Et ça marche pas. En gros, vu que le jeu crash, en fait, si j'ouvre le gestionnaire des tâches... Ah, par contre, ce que je peux faire, c'est préparer le gestionnaire des tâches. Et le foutre sur l'écran de droite. Voilà, ça, c'est pas mal. Parce qu'en fait, la semaine dernière, ça avait crash, j'ai tout essayé, j'ai essayé le gestionnaire des tâches. Mais le problème, c'est que... Ah, je dois redémarrer le jeu, là, ça met la... ça fait... Là, quand tu lances le jeu et que tu cliques ailleurs avant, ça ramène le chat ici, je sais pas. Oui, je disais, en fait, le gestionnaire des tâches, il s'ouvrait, mais seulement derrière le jeu. L'écran de jeu, du coup, j'étais bloqué, je pouvais pas m'en servir. Là, j'ai déjà ouvert, j'ai préparé à droite. Bon, du coup, on va essayer d'avancer. J'ai compris, je pense, le système avec les sonneries et tout. Maintenant, faut que je comprenne comment me déplacer, genre. Pas me faire choper. Et du coup, il y a un surveillant, j'ai l'impression qu'il marche au milieu aussi. Il faut que je fasse bélec au surveillant dès que ça sort. Ah putain, merde. Ok, mais c'est ça. C'est ça. C'est juste le surveillant, il me voit de loin. J'aurais peut-être pu one-shot le truc. Ok, j'ai capté le truc. De l'autre côté, lui. Je peux pas. Je peux pas, il se balade ici. Ah ouais, mais je fais comment? Il reste ici. Faut que j'attende qu'il se débug ou autre? J'ai essayé de speeder dans le placard, mais... Dans le casier. Après, je pense que je vais pas être là.
Porte, wesh. Let's go, let's go, let's go. Let's go. Bon, j'ai réussi à one-shot. Ah merde. J'arrête de faire ça, c'est comme ça que le jeu crash. C'est pour la fin, je suis bloqué. Il trace sa mère, hein. Il va vite. Hein. Il va très vite le surveillant. Je reste dans le placard pendant 2 heures. Là, je viens de lancer le jeu, Arthur. J'étais sur le 2 avant qu'on a réussi à finir. Ah ouais, mais le pion, il campe devant moi. Il est à la table en face de moi. Bouge, wesh. Je suis dans le placard. T'es pas censé me voir. Ah ouais, mais il campe. Dès que je sors, il va m'allumer. Je sais pas s'ils doivent travailler ou... Prends là, ils travaillent. Et là, c'est la récré. Ouais, c'est ça. On avance bien. Ah ouais, mais il est bugué encore. On va attendre qu'il se débug. Ah mais en fait, ouais, il engueule tous ceux qui sont pas à leur place quand ça sonne. Donc lui, par exemple, il bougeait pendant que c'était éteint et il allumait. Et ça va vite, hein, c'est la fac, ça enchaîne. Voilà, c'est bon. Bêtise. Ah, c'est long par contre. Oh là 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 là, le bâtiment, wesh, encore plus long. J'ai compris le mécanisme, j'ai bien avancé, stop, wesh. Pas besoin de faire un bâtiment de 2 km. Let's go. Let's go. Wesh. Fallait appuyer 2 fois sur le bouton. Miskin. Attends, je vais mettre mon crâne tout de suite ou j'attends?
J'étais en mode, mais attends, on se moque de moi, là, ça sert à rien, la porte. Enfin, ça sert à rien, ce que je viens de faire. En fait, si, ça me donne des pouvoirs supplémentaires. Donc, ça veut dire que ça... J'ai de comprendre, là, il m'a chopé, j'ai le truc où il faut appuyer sur A. Donc, ça veut dire que ça... Quand je suis accroupi comme ça et que je bouge pas, en fait, j'ai cru que c'était un bug d'avoir ça maintenant, mais non, en fait. Je sais pas comment faire ça pour le dodge. Bon, par contre, c'est très fort. C'est très très fort, ça, d'appuyer. Gagne du temps, plus je fais tomber ce bouffon. C'est pas mal. Ça, je sais toujours pas ce que je dois faire. J'ai activé, j'avais pu avoir la clé. Ça, j'avais le pied de biche. J'ai le parapluie pour descendre lentement. Tu sais que le pied de biche aussi, je sais pas à quoi il sert. Du coup, sur l'autre, on peut ouvrir des portes, mais là, je sais pas. Il y a ça aussi. Il y avait le code. Oh putain, mais attends, mais pourquoi le wagon, il tourne? Il y a l'histoire du ballon aussi. Du ballon que tu places là et ça fait rien. On va stopper le train. Je vais le stopper, je vais le repiloter. Il y a ça. Ça, je sais pas comment ça marche. Mais l'aimant, il est pas éteint? Ah si, puisque j'ai... La map monde, je sais pas. Elle est reliée du coup à des radiateurs, mais je sais pas. Elle a même pas un bouton. Puis même, enfin, c'est pas logique. Genre, pourquoi une map monde activerait des radiateurs?
Ça, je sais pas à quoi ça sert. Ah putain. Ça, je vais en faire. J'ai pas un objet à foutre là-dedans. Ouais, si. Je vais le refermer, on sait jamais. Je vais aller dans la salle. Et du coup, il y a l'entrée du tuyau juste là aussi. On peut monter, non? Du tuyau, elle est là. Oh, c'est là-haut. Comment monter là-dessus? C'est pareil, il y a les tomates qui me gênent, c'est comme en dessous. C'est quoi, je peux les couper, ces arbres-là? Quoi ce fou furieux? Il est là, en détente. J'ai ouvert ça. Je vais voir ce qu'il y a en face avec la longue vue. Arrêtez de mettre la musique, je sais qu'il ne monterait pas là. Quoique, je le sous-estime un peu. C'est fait un mini salon là-haut, mais alors pour y aller. Ah, mais si, faut monter là-haut et descendre avec le parapluie. Je crois qu'il arrive, hein. Ah non, j'ai pété le plomb. Bon, bah, je peux pas rentrer là-dedans. Je suis bloqué avec les tomates. Je dois avoir une solution, mais pour l'instant, je suis bloqué. Là, il y a des graines. Ça, putain, comment retirer ça? Derrière, il y a une porte, hein. J'avais réussi à y aller du coup, mais ça m'a bugué quoi. Putain. Comment ça pourrait marcher ça? Je déracine pas ça là? J'avais pensé aux seaux d'eau, mais je... J'ai essayé de récupérer les seaux d'eau, mais ça a rien fait.
quoi bon les arroser? Ils sont déjà poussés, genre. J'ai ma lampe, j'ai la roue ici. Faut le jerrycan. Ah bah j'aimerais bien. Faut le feu aux arbres. D'ailleurs ça bah pareil, je comprends pas. Pourquoi ils nous ont donné un jerrycan et un... Oui c'est vrai ça, pourquoi ils nous ont donné un jerrycan et un... extincteur pour rien? Il est rempli ou pas? De toute façon, je peux rien en faire du seau. Je sais même pas s'il a de l'eau. Ça, pareil, du coup, mon système que j'ai fait pour que ça s'ouvre, ça sert à quoi? Y a rien ici. Les lanceurs de pommes. J'ai enlevé les cadres, on sait jamais. Hein. Attendez, je peux remplir le seau. Je sais pas si ça va marcher. Je vais essayer de le remplir dans la salle de bain. Je sais pas si on peut remplir le seau. Quelque chose. Je viens de trouver quelque chose. Oh là 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 là. C'était depuis le début. Musique fait pousser les tomates. Il va là-bas. Pourquoi ça me saute au sucre maintenant? Ah merde, ok, j'ai pas 10 000 vies non plus. On prend un appareil pour jouer de la musique. Je sais pas s'il en a. Y'a pas de jukebox ou un truc du style? Genre là par exemple, vas-y, je suis preneur. Si quelqu'un a un souvenir de jukebox quelque part, je veux bien. J'y repense, mais la clé bleue là. La clé bleue, je peux la récupérer aussi. C'est avec l'aimant qui est tout en haut.
Attendez, j'ai une idée. Il faut juste que je me repère. Il a mis trop de caméras de surveillance. La porte qui est bloquée par là. Ce bruit. Oh merde. Pas là-bas. Je vais me tuer. On voit rien du tout, du tout. Voilà, là ce sera mieux. Bon, la musique fait pousser les tomates. On va prendre ça comme info. Réfléchir à la salle. Comment y aller? Ah, c'est bon, je m'en souviens. C'est genre une salle en dessous. J'ai tout loupé là. Ah oui, c'est bon, c'est là-bas. Merci la Kekoul pour les 15 mois. À toi. Une salle du début, genre. Ça. C'est une salle à la con. Sauf qu'en gros, t'as un passage pour monter, mais je sais plus où c'est. Derrière moi. Je vais tester par là. Oui. Oh mon Dieu. Oh la vache, la maison au mille est un piège. Je sais plus comment on monte dans sa salle là. Salle là. Non. Allez, montre. On l'ouvre. Je peux pas passer par là, c'est complètement bloqué. Là, il y a aussi une map monde. Et c'est vrai qu'il y a un support ici. Est-ce qu'il faudrait pas mettre la map monde ici aussi? Est-ce que c'est un indice? L'oreiller qui est là, mais bon.
pas s'il faut que je replace tout pareil, ça me semble bizarre, non? Lampe. Lampe, elle est dehors. Il y a tout dans la salle, c'est sûr. Casquette, il manque la guitare électrique et la lampe. Oh! Ben, bizarrement, je sais pas si c'est le nuit de repos ou autre, mais... commence à trouver des réponses à mes énigmes. Il y a la lampe en bas et la guitare électrique, ça je sais pas où elle est par contre. Guitare électrique. Là, faut que je cherche. Je trouve plus la putain d'entrée. Ah, mais la maison, c'est le bordel aussi. Électrique. Il me semble avoir aperçu un moment. Mais quand, je sais pas. Abuse les. Ah putain, bah c'est celle-là. Oh mon dieu, attendez, la pièce-là, je la cherchais aussi depuis tout à l'heure. Ah, j'ai galéré à la trouver. En plus, c'est... attends, mais c'est là où j'ai laissé ma clé tout à l'heure? Oh la honte. Depuis le début, je veux aller dans cette salle. J'ai oublié l'entrée, là. Oh là là, mon dieu. Les murs invisibles, là, c'est nimp. Guitare. Ça ne tourne plus. Déjà petit 1.
Putain. Oh, sa mère, qu'est-ce qu'il fout là? Oh non, j'ai loupé. Non, c'est bon, j'ai réussi. Ça, j'aimerais bien l'activer aussi. Il est juste en dessous. Avec les petites biches, je peux l'atteindre. Peut-être avec un ballon ou un truc à lancer. Je sens qu'il y a un glitch, il y a un truc à lancer et ça va l'ouvrir. J'ai la clé bleue, on va aller ouvrir. On va avoir un objet en plus. Non, ça fait pas ça. C'est juste pour ouvrir ça, d'accord. Deck en vrai. Attendez, avoir un objet. Faut que je ramène une balle pour utiliser l'escalier là aussi. J'ai eu un éclair de génie. J'ai eu un éclair de génie. La guitare ne serait pas dans ma chambre. La chambre d'Harry. Dommage, j'ai eu une vision, bon bah dommage. Sur les cams. Je vais chercher des ballons. Chercher des ballons et il manque toujours la guitare. C'est pas là-bas quand même. Ah, j'ai pas de longue vue. Je pense pas. Peut-être dans l'étagère, mais bon. Que j'ai lutté ici. Ah putain, mais c'est pour ça qu'ils sont là les ballons, c'est pour oui, c'est pour tirer là-dessus. Et c'est pour ça qu'ils sont juste à côté. J'ai toujours pas compris. Comment leur jouer de la musique? Je peux pas les enlever. En bas, je peux enlever les clous, mais pas là. Merci Pauline pour les 25 mois. Oh, cassé, actuel. Wow, wow. Merci pour le chant. Et pas, c'était pas obligatoire, mais merci, merci pour ces 25 mois et pour le chant. 25 mois, ça commence à faire long, ce mois de test. Ah bah là, oui, ça fait un long test. J'espère au moins qu'à la fin du test, je vais passer. J'espère, hein, ce serait le minimum, sinon ce serait l'échec. Et merci, hein, merci à toi.
Attendez. Il y a un glitch. Non. Non, non, je vais refaire dans le... Là, il y a une grille fermée. Là, il y a la chambre. Je vais mettre la lampe en plus. Ah, la guitare. C'est ça, mais c'est tellement le bordel. C'est vraiment ce qu'il fallait faire, genre tout placer parfaitement comme eux sur la photo, mais c'est du grand n'importe quoi. Hein. Il veut pas la mettre. Bah, il la met que comme ça. Ça marche quand même ou pas? Il manque la guitare. Putain, la guitare. C'est pas dans la chambre, il y avait tout en soi dans la chambre. Ah, je vais péter mon crâne, je sais pas où elle est. Exactement comme sur la photo, mais c'était au bon endroit. De où elle... Aucune. J'ai tout débloqué dans la maison, mais la guitare, ça me dit brièvement un truc, quoi, mais c'est tout. Je vais voir, elle serait peut-être pas dans la, dans l'eau ou un truc. La salle-là, vraiment, je vois pas à quoi elle sert. Ah, il y avait une chambre, je me suis dit peut-être, mais non. Il me faudrait ma longue vue en vrai. Il y a un truc pour jouer de la musique. Oh, je peux pas rentrer, il y a rien qui bloque la porte. Il y a rien qui bloque la porte, il y a pas de serrure. Oh, je suis... Attendez, je sais ce que c'est. Je sais ce que c'est. Si c'est un bail comme ça, c'est... Remonte en haut. Je m'en refais.
en mode smurfing. Non. 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 J'avais monté le jet avec moi. Mais il est sur moi! Oh le bâtard! Je l'ai fait monter avec moi! Je l'ai fait monter avec moi! Genre, je sais pas, j'ai percuté, ça l'a fait monter. Ok, il est derrière moi, là, je vais pas avoir le temps de traîner. Rappelez. C'est bien. Il y en a une qui souffre que deux jours. Comment je peux faire? Comment je peux faire? En vrai, je pense, ouais. Carton. Vrai de vrai, c'est ce que... le plus. Ouais, reviens le jour, mais le truc c'est que ça va ça va se fermer. Croiser les doigts, hein. Un torche. Ah putain, il me gêne. Bon, allez, faisons pousser ces tomates. Ah, tu penses que ça a déjà poussé? J'ai essayé avec celle en bas du coup. Pas non plus. La maison comme ma poche.
connais la maison comme ma putain de poche. Oh putain, non. Je suis venu avec la musique, ça fait pousser les trucs, je voyais rien dans le noir. Dites-moi que tout est déjà prêt, genre. Attendez, oh putain, non, je vais regarder la chambre, je suis sûr qu'il n'y a rien qui est fait dans la chambre. C'est tout qui est bien mis. Bon, wesh. La lampe? En soi, la lampe, c'est bien, non? Ah, je vais la mettre là-bas, mais... Je sais pas, pour moi, elle était là. Je vais tester. Ah ouais, attends. Faut que je vois, il y a les deux.
l'escalier dans le coin là-bas et c'est devant comme ça. C'est bon? Oreiller, faut que je le mette dans le coin. On entend qu'il y a un bruit métallique là. La lampe, c'est grave si elle est à l'envers. Bah, je sais pas, on m'a dit que non. Après, jure que je pète mon crâne. Et ça, non? Est-ce que c'est juste la bonne voie ou pas, s'il vous plaît, chat? Pour pas que je continue dans le vide. Est-ce que juste là, c'est la bonne chose à faire? Non, non, c'est ouvert en fait. Bien vu. Oui, en fait, c'était bon. Mais ils sont bêtes ou quoi? Pourquoi il n'y a pas un petit bruit ou un petit truc, genre? J'ai rien entendu. Ah bah apparemment la porte s'est ouverte. Il y avait un bruit. Ah du coup ça c'est le frigo. Je m'en souviens, c'est branché au frigo. C'est en train de dégivrer. Si c'est en train de dégivrer. Let's go! S'arrêter ici. Ah, le live, je le jure que j'ai rien regardé ou autre entre temps, mais là il y a tout qui se débloque. Je pense le fait d'avoir les idées un peu claires, les idées au frais et tout, de m'être posé, ça a permis d'avancer un peu. C'est la carte! Ah, mais putain! Non, attendez, avant de mettre la carte. Il y a plein de choses que j'ai pas encore fait. Bah, la carte, c'est bon, c'est pour la fin, mais il y a plein de choses que j'ai pas fait. Genre, je suis pas monté tout en haut, là, le tuyau, je sais pas à quoi il sert. On peut monter en haut du moulin. Mais comment? Parce que du coup, les tomates sont déjà... Ah, ça, je sais pas, en vrai. J'ai essayé d'aller là-bas, là où je suis mort tout à l'heure.
Ah, y a pas un parapluie? Si. Je vais prendre, ça sert toujours. J'ai tout bloqué, mais je sais pas du tout à quoi ça sert. Je sais pas pourquoi j'ai fait ce move-là, genre. Bah, c'est tout ce que je voulais voir. Je crois qu'après, le reste, j'ai ouvert. Il y a des trucs qui sont pas encore résolus pour moi, comme le truc avec le code au fond. Il y a des petits détails comme ça où je suis bloqué, mais bon. Tant que ça. Tu me suis jusqu'à où, imbécile? Tomates, elles sont reliées aux lumières là. Elles sont toutes allumées. C'est bon, non? Pourquoi ça? Attends. Laisse-moi sortir. Imbécile. Ah, le campeur! Va ailleurs, wesh! Ah, il va me faire chier, il va camper devant la porte. Caméra de merde en fait. Faut que j'éteigne le courant. Et c'est pour ça qu'il me crame à chaque fois. Bon, c'est bien, il va l'ouvrir pour moi la porte. Je veux plus passer une seconde de plus dans sa baraque. Pas résolu toutes les énigmes, mais c'est pas grave. Mais j'ai un truc. C'est la même merde que l'autre fois, mais en plus sombre, j'ai l'impression. Genre beaucoup plus sombre. Je vois que dalle. Je vais devoir me balader avec ça? Je vais me balader avec ça, je vois rien.
réussi à faire disparaître l'objet que j'avais? T'as rien comme ça là. Donc là, tu comprends pas ce qui se passe, c'est fou. J'ai hâte de le finir. Hein. Un petit être dans le sous-sol qui observe. Même contre les robots, ça ne marchait pas. Les robots, ils me voyaient aussi. Jamais. Sont tout est sombre là. J'ai un placard, ça j'aime pas ça. Les mécanismes à tourner en vrai. Il doit y avoir les manivelles ou des trucs. Par là, comme par hasard, il y a un escabeau juste en dessous. C'est pas ça? Il y a un escabeau putain de beau juste en dessous de la manivelle là.
Oh, vivement qu'on termine ce jeu. J'en peux plus, je sais même pas pourquoi j'ai relancé le 1, j'aurais dû m'arrêter. Je suis au troisième acte. Enfin, j'aurais dû m'arrêter au 2. Pourquoi j'ai relancé? C'est trop sombre, c'est pas agréable, tu vois rien. Genre vraiment, ils testent pas leur jeu avant. Carton que je peux pas prendre. J'aime bien ta stratégie, Guignol. J'aurais préféré faire ça, j'avoue. Ah putain, j'avais pas vu un passage là. Ok, je vais me faire un truc. Ça, c'était tout con en fait. Et ça, du coup, je peux pas prendre les cartons, je sais pas pourquoi. Tu es là-bas. Je m'étais totalement perdu. J'ai jamais vu un jeu comme ça. J'ai jamais vu ça de ma vie. J'ai jamais vu un jeu aussi mal fait. Hein. Tu peux pas t'aventurer dans un endroit où tu pendant plusieurs secondes tu ne vois absolument rien quand tu te retournes. Genre en mode j'étais juste bloqué. Enfin j'étais totalement dans le noir. Je ne pouvais rien voir. J'ai eu de la chance de me déplacer au bon endroit, mais c'est très grave. Genre là, ils sont en train de m'achever. J'ai pété les plombs déjà sur leur jeu. Let's go. Oh, let's go. J'ai trop de chance, allez. Hop, allez, zouzou, c'est bon. Ah oui, c'est bon, allez, sauve-toi, petit. Oh, c'est pas fini. Non, je pensais que l'acte 3 c'était le dernier, non! Non, je pensais que le 3 c'était le dernier! Il y a un acte en plus, mais...
mes souvenirs reviennent. Comment ça, les souvenirs reviennent? Vous me faites peur, là. Le grippin, je suis sûr, on peut le lancer, ça nous projette. Vas-y, je vais voir après. Rien faire d'autre. Chat, ça leur revient et tout à l'ancienne. Moi je pensais qu'il y avait qu'un acte 3, je pensais avoir terminé. Ah merde, ça. C'est bien pensé en vrai, le coup du grippin qui me projette. Baraque sur le dos. Il y a la baraque finale sur le dos. En vrai, je pense, chat, que je vais arrêter là pour aujourd'hui. C'est tard, je fatigue quand même. Et on se fait l'acte... On se termine l'acte final une prochaine fois. Je sais pas s'il prend du temps. Je sais pas s'il prend du temps, mais on se fait ça une prochaine fois, je pense. Là en fait j'ai pas envie de partir pour 2 heures, 3 heures. Et vu vos messages vous m'avez fait peur. Ça prend 10, 20 minutes, il prend 10 minutes. Ah, je déteste cet arc, c'est rapide. Ah non c'est vraiment rapide. Bon d'accord. Non, info chat ou c'est la vérité? Allez 10, 15 minutes en speedrun. On va pas être un speedrunner. Oui, si tu sais quoi faire, ça prend 10 minutes. Genre pour moi qui ne connais pas le niveau. Là, c'est sûr que c'est pour ça. Hop. Voilà. Ok. What the fuck? Mort. Ça c'est dur. Je pense qu'il faut que j'empile deux cartons.
non, vraiment. Il y a une force extérieure qui me projette vers le vide. Ah mais je vous connais le chat, de toute façon vous avez menti 10-15 minutes, c'est bon. Faut être un nouveau-né pour se faire avoir, je sais bien que j'en ai pour au moins une heure. C'est Hello Neighbor, c'est pas optimisé, vous m'avez dit 10-15 minutes pour quelqu'un qui speedrun, je suis sûr. Mais oui, c'est un faux chat. Je suis sûr que j'en ai pour au moins une heure, je pense. C'est impossible en 10-15 minutes sans connaître le niveau de tout faire. Non, en vrai, dites-moi sincèrement, est-ce que vous mentez ou pas? Vraiment, est-ce que j'ai le FFS demain et tout? Faut que je sois en forme. En vrai, moins d'une heure sûre. En fait, ça va, c'est de la c'est de la plateforme. Et tu fais des piles de carton et tu sautes d'endroit en endroit. C'est vrai qu'il y a une pile de carton là-bas. Je vais juste laisser du coup mes ballons. Et je pense que c'est ça, c'est que du jump. J'active le courant, après je prends le tram. Derrière, tu es prêt. T'es trop tard, c'est trop tard. Maintenant que j'ai commencé. Le mal est fait. Un parapluie là, non? On va voir. Je pense que là, je suis les rails à pied. C'est 20h le FFS demain. Non. Mais non. Mais non. C'est de la merde. C'est de la merde.
Ah bah tiens, on va aller chercher le parapluie, faut aller en haut. Ouais, chercher le parapluie, il faut aller en haut. Ça part de là. Là, je monte. Mais là, je m'attendais à... Parce que tu rentres dedans et que ça te projette, mais apparemment pas. Et si c'est pas ça, je sais pas où je dois aller là. C'est au-dessus, hein. Sans grippin, je vois pas comment on fait. Pas quoi, mais ça, il y a eu un bruit. J'ai peut-être enclenché le grippin, mais alors je sais pas comment j'ai fait. Il y a eu un bruit. J'en veux pas au jeu parce que je me rappelle de sa note de 38 sur 100. Donc bon, il y a des bugs, c'est normal. Plus que chose comme ça alors ? C'est pas possible, je peux pas aller plus haut. Il y a le grippin, mais je sais pas, il marche pas. Là, il y a les deux chaises, mais je peux pas monter. Je... Une pile de carton, mais elle est trop loin, je pense, ça ne sert à rien. L'endroit là, hein. En fait, j'essaie de voir un petit peu ce qui se passe. Ballon, je sais que tu peux le lancer plus loin, mais j'ai fait quoi du ballon? Il y a un seul ballon, il est là-bas. Je sais pas, ça me semble fou quand même de lancer le ballon jusqu'à l'interrupteur. L'interrupteur, tu dois pouvoir l'activer. Ouais, non, j'allais dire de l'autre côté. De l'aide, tu n'es pas loin.
Cherche encore un tout petit peu, attendez. Je veux lancer au-dessus de toi pour être sûr de toucher, ça touche pas. Par contre, là, il a une force surhumaine. Le grippin est allumé. Ouais, pareil, un truc là, en fait, c'est mal fait parce que... J'ai testé une première fois ce truc-là, sauf que je me suis mis pile en dessous, et pourquoi, quand tu vises au-dessus de toi, t'as moins de force. Du coup, bah, c'est, si tu loupes, tu dis, bon, bah, ça marche pas, et tu veux tester une autre option. On était sûr que c'était un truc avec le grip, hein, par contre. Let's go. Mourir ? Pas un bail où je dois choper le parachute en plein le parapluie en plein vol. Peut-être que je rentre là-dedans. Attendez, je vais voir sur les retombées. Je vais voir où retomber. Il y a peut-être un bail où tu dois choper le parapluie en l'air et l'activer en l'air. Je sais que quand tu l'actives en l'air, bah c'est ça te pêche. Merci Célia pour le subgift à Amox. Merci à toi Célia, ça fait plaisir. Pour le premier subgift à la chaîne. Ok. Boum, je vais aller dans celui de gauche. Plateforme en-dessus, ça peut être là-haut. J'ai pas assez regardé, c'est moi. On vient de voir les deux plateformes blanches. Aïe. Let's go. De là. Bon, en vrai, on avance déjà. On avance petit à petit. De là, je meurs. Mais le parapluie, il est où? Ah, il est peut-être juste là, le parapluie. Je pense qu'il est juste au-dessus. Je pense.
Ouais, Charnot. Ben... En gros, j'ai fait le 2. J'ai fait le 2 et je sais pas pourquoi, dans un élan de folie, j'ai fait vas-y, je retourne sur le 1, j'essaie de le finir. J'ai terminé l'acte 3, je sais pas pourquoi, une nuit de sommeil, ça m'a permis un petit peu de me remettre les idées en place. C'est toujours de la merde, hein, c'est toujours de la merde. Mais j'ai réussi à m'en sortir, et là, c'est le dernier acte. C'est compliqué. Merde. Et plus jamais je vais aller. En vrai, Arnaud, test ! Mort de vieillesse. Arnaud, teste-le. Je suis vraiment curieux de te voir dessus. Le 2 était bien. Ouais, c'est une démo. Après, bon, ça reste bugland. Hein. Beaucoup de bugs. Après, bon, mieux que le 1 quand même. Il y a un semblant de tutoriel au début. Faire le saut parfait, je pense. Et t'as ton parapluie en haut. Je pense que c'est ça, hein. Oui, il y a moins de bugs dans le 2 quand même, mais bon. C'est pas sûr qu'il fasse le jeu complet en descente. En vrai, ouais, par curiosité, vous voyez encore. Je sais pas, j'avoue que bon, la licence, elle m'a pas emballé. Hein. Leurs deux jeux là, bon, ouais. Je pète mon crâne. Par contre, si c'est vraiment en haut qu'il faut aller, il faut faire le saut parfait, c'est relou quoi. Y a pas de parachute. Ils disent en haut, ça doit être tout en haut et il faut faire le saut parfait. Mais le 1 va bien se faire foutre. Non, teste le 1 pour te faire une petite idée. T'es à la deuxième nuit, t'as encore rien vu, Arnaud. Troisième nuit, tu vas t'éclater, il y a encore plus de mécanique, il y a plein de choses super cool. Il faut le voir pour le croire. Le truc, je souffre. Non, mais je suis curieux de voir combien de temps tu vas souffrir avant d'abandonner. Le sang pour les 100 bits, ça m'énerve, c'est pas logique. Le saut, là, du coup, il y a un petit interrupteur, mais pour atteindre cette zone-là, faut faire le truc du grippin, il faut faire un saut parfait. J'ai fait 4-5 fois le saut, si t'es pas un minimum curieux, c'est impossible que tu dises c'est là. Tu sautes, t'arrives à sauter une extrémité sur la plateforme, jamais tu dis ça va être au-dessus, il va y avoir un interrupteur. Le saut, il est tellement impossible, il faut tellement qu'il soit pixel pour passer que t'essaies 2-3 fois, tu dis non, ça doit pas être ça. Ah si, c'est ça. Descendre, hein. Oh non, je suis descendu, moi. Dis-moi que c'est un ascenseur et qu'il redescend. J'ai lancé un mécanisme, c'est un ascenseur, il va redescendre. C'est parce que j'aime pas abandonner, mais vraiment ce jeu, je crois que j'en ai mis 2 des pouces rouges dans ma vie sur Steam. Ben c'est lui, il va en faire partie. Le premier c'était FNAF, le nouveau FNAF, parce que c'était du foutage de gueule. Ah. Le premier c'était FNAF parce que pareil c'était du foutage de gueule. Un jeu à 95 Go, full bug, tu ne peux pas sortir un jeu. Tu ne peux pas sortir un jeu avec autant de bugs, c'est pas possible. Bah ben, FNAF c'était le cas. J'ai progressé genre à la fin, j'ai progressé genre 2-3 heures sans sauvegarde à la fin là quand tu finis le jeu. 2-3 heures, le jeu a crash, j'ai perdu 2 heures de progression dans le vent, terminé. Pouce rouge. Et ben lui il va prendre son pouce rouge aussi. Je vais le finir mais il va le prendre très 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 fort son pouce rouge.
Merci Gaël, souris. C'est trop dur. Non, en vrai, c'est dur. J'essaye, mais là, il est tard et le jeu me tend trop. Oh. Oh non, bah allez, j'ai fait un tour Windows pendant le jeu, du coup ça fait que je vois plus le chat Twitch. Si je veux lancer le jeu, ça met le chat au milieu. Même ça, le jeu il est pas optimisé pour la résolution. Putain! C'est comme le bug d'Arnaud sur Fall Guys, si j'ai le malheur de faire un tour Windows, voilà. Le jeu, dès que je veux le lancer, ça me ramène le chat au milieu. Soit je joue à l'aveuglette sans le chat, ou soit je quitte ce jeu de merde, ben, le choix est fait. Oh putain, c'est pas possible! Je retourne vite fait, et si je n'y arrive pas, je regarde une vidéo. Mais même les vidéos, en fait, j'ai cherché sur YouTube. Parce qu'à l'ancienne, il y a eu une mode sur le jeu il y a 4-5 ans. Les Squeezie, l'Oclear, tous les youtubeurs avaient fait des vidéos sur le jeu. Toutes leurs vidéos, c'est que l'acte 1. Il n'y a aucune vidéo sur l'acte 2, 3, et celui-là, je ne connaissais même pas son existence. Ah, es-tu normal? Tu m'étonnes. Qui a la foi? Je suis le seul fou, je pense, l'un des seuls fous à être allé aussi loin dans ce jeu, hein. Ça m'a trop heureux de le voir dévasté, je sais pas pourquoi. Merci Célia, plus en vite. Il y a un monstre, Arnaud. Mais lance, joue, s'il te plaît, Arnaud. Je t'en supplie, tente l'expérience de ton côté. Je veux avoir ton point de vue. Parce que je sais que toi, t'es assez. Je sais pas, t'es dur quoi sur les jeux. Voilà, tu. Moi, franchement, j'essaie de donner une deuxième chance et tout. Mais là, franchement, j'en ai donné plein des chances. Et moi, je veux voir, toi, ton point de vue, que tu en penses. Oh là 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 là, putain. Ça n'existe pas, un jeu, il faut faire un saut parfait comme ça. Alors, je vais essayer de sauter tout droit. Oh, tu me l'as pas super... Non, Arnaud, mais je rigole depuis tout à l'heure. C'était avant que t'arrives, j'ai une récompense de points de chaîne. Pour 100 000 points de chaîne, je dois faire le mec aigri pendant 20 minutes. C'est bon, les 20 minutes sont passées. C'était de l'acting. Le jeu, Arnaud, il est super fun. Genre, vraiment. Pour quelqu'un de 30 ans comme toi, ça va être super. Parce que c'est un jeu, tu vois, qui te... Avec pas mal d'énigmes. C'est assez compliqué. Genre, c'est pas pour les enfants, tu vois. Donc, t'as l'âge parfait. Et franchement, c'est trop cool. Merde.
Regarde, ça je rigole, je me plains depuis tout à l'heure, mais c'est facile. Moi j'abuse. On fait descendre l'ascenseur. Je vais rester un peu, voir comment tu kiffes le jeu. Vas-y, vas-y, regarde, regarde. Tac, et là en gros, faut aller vite. Hein ? C'est le jeu est cool. En vrai, voilà, je joue un rôle tout à l'heure, mais le jeu est vraiment cool. J'ai lancé le parapluie sans faire exprès. Ah, je me suis trompé. Ah, j'aurais pu faire un sauvetage. J'aurais pu faire un sauvetage, mais j'ai mis ce clic. Bon, c'est pas grave. Maintenant, on a les parapluies. J'ai vu qu'il y a un bail à gauche. Je vais y aller tout de suite. Avec des balles de baseball qu'on peut foutre dans la machine, là, le lanceur automatique. Ah oui, et le pouce rouge, bien évidemment, c'était, ça faisait partie de mon personnage. Je vais m'empresser de mettre un pouce vert après le live, là. Hop, par Mary Poppins. Je pense qu'on peut foutre la musique là-haut aussi, il y a un truc à faire. On va y aller après. Le jeu est trop bien pensé, ils ont même mis un parapluie là, au cas où, si jamais tu le jettes ou que tu fais une erreur, et ben au moins tu peux après t'enfuir. Mécanique simple, voilà, t'as juste à faire rouler la balle dedans, ça va la lancer sur le mec. Ça fait tomber quelque chose de la maison quand tu lui tires la balle. Soit c'est un bail où faut le toucher avec les 5 balles et il fait un truc, ou soit normalement avec une seule balle tu le touches et il secoue, il fait tomber un truc de la maison. Seule balle, j'ai tout utilisé. Aucun monde où je peux faire revenir les balles. Hein. À moins de recommencer. Yo, salut Nanox, merci pour les 10 mois. De toute façon, je peux juste faire un coucou. Vous avez fait que le jeu part en couille. Oui. Oh, je suis pas surpris. Je porte pas forcément dans mon cœur le jeu, quoi, donc ouais. En fait, je peux tout faire avec ça. Je vais déjà tester ça. Je vais foutre la musique pleine balle dans les oreilles. C'est pas la bonne nouvelle, Arnaud.
je suis pas sur le... pas sur le vinyle, en fait. Faut... je vais aller voir là-bas. Le tourne-disque, je sais pas ce que ça a changé. Il y a un bout de gâteau, on peut prendre des bougies. C'est la première fois qu'on peut prendre des bougies, mais je sais pas ce qu'on peut en faire. Je peux foutre le feu quelque part ? Là, il y a un truc avec un socle. Il y a un truc avec un socle sur le côté. J'ai pris une bougie. J'aurais dû garder le ballon de basket. J'ai fait une bêtise. Il y a un socle. S'il faut foutre le ballon de basket dessus, je pète mon crâne. Prendre vélin. Offert encore aujourd'hui pour les 3000. Je sais pas quoi sur SW. Vraiment, Arnaud ? Oh, vas-y, 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 vas-y. Ah merde, c'est une canette de coca. Putain, vas-y, et vas-y, vas-y. Quel bâtard, mais quel bâtard! Il doit rigoler chez... il doit être en train de rigoler tout seul, là, derrière son PC. Il me rentre dans sa baraque, le tourne-disque, je sais pas... ah, attends. Faut peut-être que je fasse tomber ça dessus. C'est quoi, je suis bon à recommencer? Là, je suis sûr, c'est ça. Et après, tu lances la balle, il est déséquilibré, genre. Mort de là? Oh, les ballons respawn. Let's go. Let's go, let's go, let's go. C'est bon. Et là, il est affaibli, il est comme ça, là, il a des... c'est bon. Vous voyez, tu vois, Arnaud, t'as vu comment le jeu est fun? Le niveau, tu vois, c'est un peu en mode casse-tête, mais c'est pas non plus inhumain. C'est genre, c'est logique, c'est de la logique. Et c'est trop fun. Ok, c'est my bad, c'est moi qui le faisais mal. On va la voir. Je m'éclate comme un petit fou là, je vais trop bien dormir, j'ai le cerveau. Le cerveau en ébullition. Ça fait du bien de se maintenir en forme. Hein. Là j'entretiens mon corps et l'esprit. Oh là 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 là, mon Dieu!
Quoi, c'est une mécanique importante, tu veux pas la faire bugger ? Jamais de pile dans le trou. Oh là 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 là. Oh non, le dernier pas de contrôle, c'est avant les parapluies. Ce jeu, c'est pour me tuer. Ce jeu, c'est pour me tuer. Oh waouh, waouh, c'est trop long! Sérieux, j'ai dormi pendant 5 minutes au moins! Bon, je vais pas me choquer pour ça. J'ai speedrun de ouf. J'ai speedrun. Il a pas mal aux oreilles. Pourquoi il a pas mal aux oreilles? C'est pas possible, mais qu'est-ce qui va pas encore? Ah oui, oui, j'ai tourné le bouton, oui, le disque tourne. Pourquoi il tourne plus? Pourquoi il tourne plus? J'ai activé. Comment ça, j'ai pas mis le son? Tourne le plus. Mais comment ça, tourne le plus? Ah, c'était comme ça? Ah, mais j'ai eu un coup de chance tout à l'heure alors. J'ai eu un gros coup de chance tout à l'heure, hein. Ah, heureusement que j'ai trouvé sans faire exprès tout à l'heure, hein, sinon c'était fini. Ah, c'est, je m'éclate, Kiruno, c'est trop, vraiment cool.
une dans la tête. Je pense qu'il est déjà affaibli, mais j'ai envie de le blesser, lui. Une balle de baseball, en plus, faut pas croire, mais ça fait vraiment mal, hein, c'est lourd. Ah non, il reste comme ça. Et là, je reprends, je pense, un petit coup de parapluie. Dis-lui bien. Non, c'est bon, il a les deux genoux au sol. Combien de balles pour te mettre KO? Il lui en a fallu deux, lui, hein. Ouais, je l'essaye, vous avez raison. Voilà. Très important du Diablo Monkey. J'ai plus envie de te répondre par rapport à ce jeu, Arnaud. Tu m'as déçu. Ah là 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 là, ça m'a pas posé direct sur le toit. Ok. I had the choice. Seeming, 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 missing, missing. Yo ma gueule! Et attends, mais ce fou il enlève les gens et après il met des affiches missing! Oh, il pleure! Ses enfants ont été enlevés? C'est un gentil dans l'histoire? C'est moi ça? C'est moi, wesh! N'aie pas peur, petit. Bouge. D'accord, faut que je protège le petit. Petit, 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 petit. Comment, wesh? Save Thomas? Mais j'ai save déjà, c'est bon non? Mais je vais mettre devant lui. Regarde-moi, regarde-moi, regarde-moi. Oh, c'est ça. Petit, petit. Putain, mais il a une tête de daron. Il a un corps d'enfant, mais la tête d'un trentenaire. Voire plus en vrai, il a au moins 40 balles. Les. 40 balles. Wesh. Wesh. Mais tout à l'heure, j'ai pu passer.
Oh putain. J'ai l'impression que plus je protège et plus je grandis, non? Je suis géant? Saute, wesh. Je veux dormir, je veux dormir, s'il vous plaît. Le calvaire. C'est l'autre salle. J'ai save, mais je crois que les saves ne marchent pas dans le jeu. J'avais essayé de save une fois, et en gros, ça te fait revenir à la maison à chaque fois. Et là, par contre... plus se protéger que ça. Yo, pourquoi tu me pousses? Non. Chargé. Bâtard. Regardez, j'ai save, vous voyez? Quand t'as beau save, il te faut revenir quand même au point de départ. C'est la cerise sur le gâteau, c'est un jeu de merde. Voilà, ce que je dis, c'est un jeu de merde. Et pour bien te terminer comme il faut, il te faut une fin de merde où tu dois recommencer dès le début à chaque fois que tu fais une erreur. C'est vraiment de la merde. J'allume rarement les mots auxquels je joue, mais... Les jeux auxquels je joue, pardon, mais là vraiment, c'est trop. C'est vraiment de la merde de A à Z. C'est trop. Y a rien qui va. Merde, c'est l'autre salle, j'ai oublié. Je me trompe à chaque fois. Que j'allais me tuer. C'est pour
ça que ce jeu m'a trauma. Mais moi, quand vous parliez du jeu et tout, je pensais que vous avez trauma parce que ça faisait peur, mais pas parce que c'était de la merde comme ça. Après je suis grand, je vais dans l'autre salle et après je vais tout en haut. Je vais arrêter autour de minuit. Hein. En soi... Oh non. Sérieusement, j'étais quand même proche du petit. En soi, le 2, je l'ai fini super vite, 23h30, c'était torché, j'aurais dû rentrer chez moi, me coucher tranquillement, là, au lieu de me faire, de m'infliger ce supplice. 10-20 minutes, ils m'ont dit, 10-20 minutes, ça fait une heure. Et je monte là, boum boum, je monte tout en haut. Ok, boum. Je crois que c'est bon. Ouais, je pense que c'est la dernière salle. Je vais me coller à lui, je vais pas faire d'erreur. No more fears. Ouais, tout ça n'était qu'un rêve en fait. En gros, l'histoire c'est le rêve d'un clodo. Tout ce qu'on a vu là c'était le rêve. Mais ça doit être un trauma qu'il a eu quand même, avec le voisin. Mais là, là la partie 3, l'acte 3, c'était un rêve. Avec la maison gigantesque et le truc d'après. Donc là... Le jeu est nul. Jamais... Non mais what. C'est rare que je finisse un jeu et qu'il y ait des messages comme ça dans le chat, mais là... Ils ont réussi à faire la finir le jeu avec la fin de... En fait, tout ça, c'était qu'un rêve. Il y a tout pour faire un mauvais jeu. La cerise sur le gâteau. En fait, c'était un rêve.
Je vais mettre un bad comment. Moi, j'ai mis de bien, Arnaud. En vrai, pour pas dire que du négatif du jeu, en fait, il y a une bonne idée, genre l'idée avec le voisin, le côté énigme, le côté maison qui évolue, de... Je sais pas, en fait, le côté progression où tu dois essayer de choper les clés, avancer au fur et à mesure, c'est pas mal. En vrai, c'est pas mal, genre... Mais c'est mal... Il y a trop de bugs, c'est... C'est mal, t'as pas de tuto. Un truc tout con, mais ils devraient expliquer les touches, les mécaniques au début du jeu. T'es lâché au milieu de nulle part comme ça et tu dois te débrouiller. Et il n'y a pas de cohérence dans le suivi. Genre là, par exemple, l'acte 3, ça va trop dans tous les sens. T'as plein de trucs. La clé rouge où tu dois glitcher pour l'avoir, je ne sais même pas à quoi elle sert. T'as un tuyau qui arrive. T'as un conduit qui arrive avec un levier. Je ne l'ai pas activé, j'ai quand même pu passer le niveau. Je ne sais pas à quoi ça sert. T'as plein de trucs comme ça dans le niveau où tu sais pas à quoi ça sert. Pareil, la porte qui est bloquée derrière les tomates, là. J'y suis allé trois fois, j'ai eu un bug, je ne pouvais plus bouger. Genre, elle mène à quoi? Genre, en fait, il y a plein d'incohérences, il y a plein de trucs bizarres que tu comprends pas, genre... En fait, c'est dommage. Genre, dans l'idée, c'est cool, avec le voisin qui te suit, il y a plein de choses, c'est bien. Mais genre, je sais pas, ils auraient dû faire une suite logique. Genre, en mode, pour passer le niveau, faut que tu exploites toutes les salles, et t'as une trame entre les salles. Genre, il te faut tes clés pour aller à cette salle, dès que tu vas à cette salle, t'as un objet, tu fais « Ah oui, j'en avais besoin dans cette salle, tiens. » Là, c'était pas... Je sais pas, t'étais laissé au milieu de nulle part. Le coup, faut stopper le tram pile au bon moment, sauter sur le tuyau, ressauter sur le tram, puis aller sur le toit. Impossible de trouver tout seul, genre impossible. Pourtant, j'ai tourné pendant 2h30 et je pense que je suis pas con. En plus, je cherche, quoi. J'essaie de me creuser les méninges. Vu que c'est un rêve, les devs font passer les bugs pour un trauma. En soi, vu qu'on est dans sa tête, oui. Oui, c'est vrai que quand t'as un bug, tu fais un saut de 1000 mètres, bon, ça peut être normal. C'est vrai, et on est dans un rêve, tout peut arriver, hein. Bon, par contre, c'est quoi, c'est... Il range... Vas-y, même la fin, wesh. Même la fin, le générique, il bug. T'as le générique, après t'as plus le générique, t'as le ref qui enlève les cartons, et si tu veux quitter, faut quitter à la main, genre. C'est, enfin, franchement, rarement vu un jeu avec une note aussi basse. C'est dommage, franchement c'est dommage. Il y avait de quoi faire. Je vais pas être mauvais, il y avait vraiment de quoi faire, mais très mal exploité. The basic concept is solid, but due to its bad implementation, the game is almost a total write-off. It's a shame that final version of Hello Neighbor isn't... C'est une honte que la version finale de Hello Neighbor ne soit pas... ce qu'on aurait voulu qu'elle soit. Le bon concept est pauvrement exécuté, avec beaucoup de problèmes. Allant de la physique des objets à l'intelligence artificielle ou le design des puzzles. Comme j'ai dit, en vrai, les puzzles, il y a les bonnes idées, mais c'est mal exécuté. Malheureusement, seulement un taux de frustration et un jeu mal fait sont cachés dans le pack, enfin dans l'achat, je crois. Pour un autre bon jeu d'aventure, d'horreur, vous devez aller ailleurs. C'est frustrant, ça bug. Overly depend on trial and error. Une opportunité loupée. Le
Le concept du jeu est bien. Le level design est solide. Et les visuels sont quelquefois bien. Wolfing is painfully underdone. En mode, c'est mal fait, quoi. Zéro. Bouah, lui, il est salé, son commentaire. Je préférerais regarder mon plafond que jouer à ce jeu. C'est plus amusant. Un jeu qui n'aurait jamais dû sortir. Je suis très surpris à quel point ce jeu est devenu populaire. C'est extrêmement moche, terrible, intelligence artificielle nulle, des puzzles nuls, qui ne marchent pas la plupart du temps. Et une mauvaise histoire est confusante. Incompréhensible. C'est incroyable à quel point le jeu progresse. Genre le mec a un train dans sa maison et des trucs de fou comme ça. C'est triste que beaucoup de jeux ne deviennent pas populaires et que, cette merde le devienne. Ouais, bon, bref, les gens sont déçus. Note là, même là, il rentre pas dedans. Il a 38 ans. Il est derrière Babylon Falls. Je ne connais même pas le jeu. C'est très pauvre, 38. C'est vraiment pas beaucoup. Score 0. Bon.